test. Je m'appelle Petronée, j'ai 16 ans. J'habite à Montréal, au Québec. Moi, quelque chose que j'aime vraiment, vraiment faire, c'est de la photographie. J'aimerais ça faire ça plus tard. Quelque chose que je déteste vraiment, c'est les gens hypocrites parce que... Je sais pas quoi dire sur les gens hypocrites. Alors là, je me dirige vers ma chambre. C'est ça, c'est pas mal en désordre. Mon bureau avec un petit plante. Moi, ce qui me donne envie de crier, c'est l'ignorance des gens d'aujourd'hui avec, par exemple, la musique qui est vraiment, vraiment mauvaise, mais que tout le monde aime. Ça ressemble un peu à une chambre d'enfant. Il y a beaucoup de choses qui restent, je pense, de quand j'étais petite. Tout le monde va aimer toujours la même chose, puis ils vont pas... Puis c'est quelque chose que j'aime vraiment faire et sourire avec. Mon papa et moi, on s'entend vraiment bien, puis on s'aime vraiment beaucoup. C'est ça, ça c'est mon petit papa. C'est frustrant que, par exemple, il y a beaucoup de musiciens qui sont vraiment doués puis qui peuvent pas gagner leur vie là-dedans parce que l'industrie de la musique, par exemple, ça, c'est vraiment gros. Viens, je vais te présenter. Ah, d'accord. Ça, c'est... Bon, je sais pas si je suis supposée lui présenter pour vrai. Genre, mais expliquer qui c'est. Tu peux pas faire un cri de mort? Tu peux faire un cri de mort si tu veux, mais c'est pas obligé d'être un cri de mort. Ok. Ok, je sens le cri en moi qui va sortir. En fond, c'est plus comme si toi t'es comme emprisonné par quelque chose, puis là ton cri, mais ça te libère. T'as-tu aimé ça? Ouais, vraiment. C'est cool. C'était un petit moment. C'est comme s'il y avait genre un embouteillage dans ton esprit. Genre, je suis vraiment stressée sur le futur. C'est comme toujours genre. C'est pas vraiment une base. Tu peux pas te décider à 14 ans que t'as envie de faire ça plus tard pis que c'est ça que tu vas faire. Moi, depuis que j'ai comme 12-13 ans, là, je pense que j'ai changé comme 40 fois de métier que j'avais envie de faire plus tard, là, fait que... T'sais, c'est important que tu fasses de l'argent. Ouais. Même. Tu peux pas vouloir faire quelque chose de plus alternatif ou quoi, parce que, oh non, tu vas pas avoir d'argent pis tu vas rater ta vie pis tu vas mourir Tu vas vivre dans un égout, dans une cabane de carton, genre, comme ça. Vivre avec tout le monde. Manque de culture. Moi, je vais aller vivre en Alaska, tout ça. C'était très intéressant de parler de cri avec toi, Alice. Ah, mais voilà, je suis dans ma chambre, puis je vais crier.